Et re-bienvenue sur ce live de la ronron thérapie. Chat, vas-y, fais tes pouvoirs vaudous de ronron dans le micro. Je crois que ça marche. Ils sont hypnotisés par ton ronron. Ton pouvoir du ronron puissant. Dis bonjour à la caméra, Minou. Bonjour. Regarde là, regarde. Mais qu'il est beau ce chat. Et là, plus 1000 viewers. Bon, par contre, j'ai un petit souci. C'est qu'il n'y a plus de place sur le serveur. Trop de succès. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferait pas une petite partie de Don't Starve Shipwrecked? Et comme ça, après, je reviens... sur le serveur. Qu'en dites-vous? Ce chat traumatisé, mais pas du tout. Mais pas du tout, Kaizokaya, ce chat est heureux. Ça se lit dans ses yeux. Oh, petit minou. Bah alors. Comment il nous snob ce chat, c'est ça. Super malax, c'est exactement ça. Je te donne ma place si tu veux. Ah, mais je veux bien, Nimelia, j'avoue. Juste une personne, si quelqu'un veut plus jouer. Mais je veux pas vous forcer, vous êtes bien sur ce serveur. Sinon, on en fait un autre, hein. Y a pas de problème. Non mais là vous proposez tous de partir, moi je veux que vous jouiez. Je veux pas que vous partiez tous. Attends, si quelqu'un est déjà parti, je vais essayer. Alors, donc le serveur, je répète, c'est Red Fanny, le mot de passe c'est Unicorn. Au revoir petit chat. Hop là. Le serveur est full. Bon bah le premier qui s'en va, qui me laisse sa place, j'avoue que je suis pour. Place libre. Ah cool, merci. Je sais pas si j'ai besoin de recharger... Merci beaucoup, Nimelia. Merci à toi de m'avoir laissé ta place. Je suis trop nulle de toute façon. Mais non, pas du tout. En plus, l'avantage, c'est que... Ah, Nucléo qui dit go, serveur 175 places. Ça, c'est vrai. Diabou, il nous faut un serveur plus grand. Il n'y a pas assez de place. 20, c'est trop peu. Il nous faut une map plus grande et un serveur plus grand. Bon, finalement, c'est dangereux de partir comme ça. Je vais essayer de faire gaffe. Ah, j'ai pas de quoi faire une pioche. Oula, ma santé mentale, elle a pris un coup. Tu as gagné un œuf? D'accord, Gunther. Tu parles de façon très bizarre. D'ailleurs, son personnage, si je me souviens bien, c'est un personnage araignée et du coup, il ne peut pas attaquer les araignées. Alors, petit fantôme, ne meurs pas, d'accord? J'ai besoin de toi. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Don't Starve, donc mon personnage... Oh, j'ai oublié de mettre en mode jeu, je suis désolée. Donc mon personnage, c'est une petite fille qui n'est pas très forte, qui s'appelle Wendy, comme dans Peter Pan. Et du coup, elle n'est pas très très forte, elle est même très faible en fait. Elle ne peut pas se battre toute seule. Par contre, elle a une sœur jumelle qui, elle, est très forte, donc qui est un fantôme. Une sœur jumelle défunte qui se bat à sa place. Et ça, c'est extrêmement pratique. Oh, merci pour ta pioche. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, Gunther? Est-ce que tu veux de la viande de monstre? Oups là. Pas de bêtises. Oups. No fail. Oh non, vous l'avez tué. Bon, vous voyez. Bon, en fait, c'était fait exprès, hein, n'est-ce pas? C'était absolument fait exprès. Je voulais vous montrer ce qu'il se passait quand mon fantôme mourait. Bien voilà, ça ressemble à ça. Et en plus là il est en mode tout fermé. Donc je ne peux pas le raviver. Je vais devoir attendre que la fleur éclose. Et dans ce cas là j'ai 24 viandes de monstre. Ah d'accord, donc ça t'intéresse pas? Si, d'accord. On ne voit pas le jeu. Oui, je suis désolée, Skyfire, Arnali et Aeslosia. Je suis navrée. C'était la partie d'avant. Le Alto Fail, hein. Soyons d'accord. Avouez, vous avez adoré voir ma tête pendant tout ce temps plutôt que de voir le jeu, non? Oups, attendez, c'est ça que je voulais faire. Ah, la base, elle est là-bas. En fait, là-bas, il y a quelque chose qui m'intéresse, mais sans mon fantôme, ça va être compliqué. Parce que là-bas, normalement, il y a les espèces de bonhommes rouages. Ah non, il y a juste une colonne, d'accord. Et en fait, chez les bonhommes rouages... Oh oui, il a des rouages!
Alors du coup, les rouages, ils vont servir à faire un frigo. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle, puisqu'un frigo, ça permet de garder les ressources, toute la nourriture que tu as conservée, que tu as accumulée. I don't find savanna biome. La savane, elle est... Oups. La savane, elle est là. Je vais peut-être y aller d'ailleurs. Je vais faire un petit tour et je vais y aller. Est-ce que j'ai des torches? Oui, c'est bon. Et du coup, voilà, les ressources que tu as accumulées, tu peux les faire survivre pendant un peu plus longtemps. Et que ça ne périme pas. Voilà, donc c'est très pratique, surtout en hiver, quand les ressources se font rares. Car dans Don't Starve, il y a des saisons. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais là, je crois qu'on commence au printemps, ensuite il y a l'été, l'automne, puis l'hiver. Ou alors on commence en été, c'est peut-être ça. Ensuite l'automne, l'hiver, le printemps. Et du coup, l'hiver est très, très rude parce qu'il y a beaucoup moins de ressources. Et donc c'est très... Et en plus, on subit le froid. Et le froid est dangereux. Par contre, je n'ai pas de quoi manger. Ça commence à devenir tendu. Il me faut à manger... Oups. Non, je ne t'ai rien fait. Va-t'en. Va-t'en. Bouh. Je ne t'ai rien fait, va-t'en. Oh là là! Il y a quelqu'un qui est mort là-bas. Il y en a deux qui sont morts en essayant de piquer l'œuf. Non mais, faut pas essayer de faire comme moi. Non mais moi, je suis une warrior. Moi, je fais des trucs de fou et je survis in extremis. Faut pas essayer de faire les trucs complètement maboule de la tête que je fais dans ce jeu. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui jouent bien mieux que moi sans prendre des risques inutiles. Moi, je prends des risques carrément inutiles. C'est un peu mon truc, c'est un peu ma façon de jouer. Je suis une moureuse. Je suis une moureuse professionnelle. Je meurs dans tous mes talents. Je suis très talentueuse pour mourir. Bon alors, par contre, là, il va falloir que je trouve à manger parce que sinon, je vais mourir de faim. Ce serait dommage pour un jeu qui s'appelle Don't Starve de mourir de faim. Salut, Cricri d'amour! Bienvenue à toi sur ce live de Don't Starve. Oh, mais il y a quelqu'un qui est mort là-haut. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez mis le feu à la base? Que se passe-t-il? Mais vous êtes des malades? Quand vous mettez le feu, faut le faire plus loin. Et ça va pas la tête. Ça va pas du tout dans votre tête. Hein. Vous êtes des grands malades. Tiens, mange. Ne meurs pas de faim. Don't starve. Aïe, les gens. Ah mais non, ça aussi, ça va prendre feu. Oh là là. Il vit tellement dangereusement. Oh là 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 là, mais pourquoi vous mettez le feu comme ça? Aïe. Je suis en train de bousiller ma vie pour essayer de rattraper vos bêtises. Si ça se trouve, c'est le personnage de... Comment elle s'appelle? Miss Tinguette qui aime le feu, là. Si ça se trouve, elle est devenue folle et c'est elle qui a mis le feu à tout. C'est possible. Ok, bon, j'ai un peu bousillé ma vie, moi. Mais oui, mais en même temps, c'est pas une très bonne idée de mettre des arbres aussi près du camp. Salut à tous ceux qui arrivent. Salut Ichigo du 22. Salut Cricri d'amour. Burn the witch. Oui, du coup, c'est elle, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est Josh Castle. Josh Castle, je suis sûre que c'est toi qui as mis le feu. Dénonciation. Bon, par contre, les gens, je suis en train de mourir de faim. S'il vous plaît, donnez-moi à manger. Ça se mange, ça. Mais je vais peut-être pas vous piquer ça. Il est mes fois à manger. Ah oui, oui, parfait. Je suis désolée, j'utilise mon œuf. Oh, Balan Cup, ok. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, comment fais-tu pour changer de couleur aussi souvent? Décolore pas à chaque fois, quand même. À Elosia, j'aime beaucoup changer de couleur, je suis désolée. Je comprends que ça vous perturbe. Ah, ça va mieux. Attendez, ça c'est précieux, on va le mettre dans le coffre. Hop. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, ça peut faire un frigo.
Bon, attendez, je vais voir pour le frigo. Alors, frigo, frigo, frigo. Là, 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 j'étais dessus. Oui! Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Essayez de ne pas le faire flamber, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh ouais, boulette de viande, ça m'intéresse. Égoïsme! Désolé, mais je veux vivre. Oui, merci pour les boulettes de viande. Attends, je vais mettre gracias. Alors, ça, il me semble que ce sont des, donc, les... Comment dire? Les âmes des créatures. La nuit, qui, quand on les tue, ils donnent une espèce de boule de fantômes, on va dire. Et du coup, ça permet après de faire la magie, me semble. Qu'est-ce que c'est que ça? Potato cup. The potato is a hollow as I am. D'accord. Je sais absolument pas ce que je peux en faire. Alors. Il y a plein de fleurs d'Abigail. Alors, attends. J'ai une pelle. Est-ce que j'ai une pelle? Non, j'ai plus ma pelle. Ça, c'est une hache. Ouais, du coup, j'ai plus... Si, j'ai ma pelle. Ok, j'ai pas d'arme, par contre. Ouais, une arme, c'est pas mal. Je vais aller poser ça, parce que ça me sert à rien. Poser ça. Est-ce que j'ai autre chose qui me sert pas? Ça, je vais le manger. Voyons voir. Non, je pense que c'est bon. Ah, si, ça, j'ai pas besoin. Moi, mais si, bah, je pense ça alors. Hop. Alors, je vais peut-être pouvoir faire une tente. Une tente, ça va nous permettre de dormir et ça va nous permettre de restaurer notre santé mentale et de la vie aussi. Donc, c'est très pratique. Attends. Où es-tu, petite tente? Là. Ah, mince, branche. Et des cordes. Branche et cordes. Branche et cordes. Il me faut des branches et des cordes. Ok. Je vais en quête de branches et de cordes. Oups là. Oh punaise, ils sont pas commodes, c'est toi, c'est chauve-souris. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Vous vivez dangereusement, les gens. Non. Ne m'attaque pas. Je ne t'ai rien fait, je n'ai plus mon fantôme. Alors, ne m'attaque pas. C'est un ordre. Allez, petite branche. Je dois le voir là-dessus, en même temps. Ah, il y a l'air d'en avoir là-bas. Ah, je viens de les voir. C'est surtout que je me demande comment tu fais pour ne pas te tuer les cheveux. Eh bien, Elosia, c'est tout simple. En fait, quand je me fais une nouvelle couleur, ça ne m'agresse pas les cheveux. La seule chose qui leur fait du mal, c'est la décoloration. Mais vu que mes cheveux sont déjà décolorés, je n'ai plus besoin de décolorer que les racines. Donc en fait, ils ne souffrent pas à chaque fois que je refais une couleur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ils ont souffert une bonne fois pour toutes. Ils souffrent un petit peu quand je fais les racines. Mais sinon, quand je fais les couleurs, c'est des soins en fait. Je les mélange à de l'après-shampoing, donc ça leur fait du bien. Ils aiment la couleur. Mes cheveux me remercient de les colorer de toutes les milliers de couleurs que la vie nous a offertes. Du rose au bleu en passant par le violet. Mais oui. Mon Dieu. En fait, la couleur reste pas très longtemps, elle décolore que les racines quand il faut. Ben voilà, tu vois, allez, Rick avait expliqué encore plus simplement. Merci beaucoup à toi. À quand le prochain tuto coiffure? Ah, je vais récupérer un peu des fruits, ça va m'éviter de mourir de faim. My life is potato. D'accord, Skyfire. C'était une petite patate. Dur ou pas mûr, il faut retomber sur ses pattes. Alors mon petit gars, si t'es une petite patate comme moi, écoute bien ces paroles, si tu veux pas finir à la casserole. Tu ferais bien de courir vite, si tu veux pas finir taillé en frites. Ouais, c'est la pleine lune. Alors, du coup j'explique un peu au fur et à mesure pour les gens qui ne connaissent pas Don't Starve. Et du coup, quand c'est la pleine lune, là on le voit ici,
J'ai survécu 7 jours, wouhou, une semaine. La pleine lune est ici, et du coup, ça doit être une fois par semaine, si je ne dis pas de bêtises. Non, rien à voir, c'est une fois par mois. Oh là là. Oh là là, les scientifiques sur le chat doivent s'insurger. C'est parce que j'ai survécu 7 jours, donc ça m'a perturbée. Et du coup, quand c'est la pleine lune, vous voyez, je n'ai pas besoin de feu. Et ça, c'est extrêmement pratique pour plein de choses. Pour faire plein de choses où tu as besoin de tes mains, comme par exemple tondre les buffalos. Ah non, c'est ça que j'aurais dû faire. Ah zut. Bon, c'est pas grave. Mais tondre les buffalos, il te faut de la lumière. Et il faut les tondre la nuit quand ils dorment, pour qu'ils s'en rendent pas compte. Ils sont très drôles après, quand ils n'ont plus de poils. Et ça permet ensuite de faire donc des gros pulls pour survivre à l'hiver et pour avoir chaud. Et vous avez vu, il y a plein de Firefly. Firefly, si tu es là, spécial dédicace. Il y a plein de toi partout. Oh, Firefly! Allez, je vais récupérer encore des fruits, là, ça va me faire à manger, c'est pas mal. Ouais, Doc, vous pensez quoi de la nouvelle Audi? Désolée, je parlerai plus de voiture, promis, Cantinox. Sacrilège. Grâce à Red Fanny, chaque jour est un renouveau. C'est exactement ça, Super Malax. La vie est changement. Le changement, c'est maintenant. À quand live karaoké? Skyfire, en vrai, tu ne veux pas ça. En vrai, si tu savais, tu ne le voudrais pas. Si tu savais ce qui t'attend. Mais je suis une grande chanteuse de Disney. Hein. Me lancez pas sur des trucs comme ça, sinon vous le regretteriez amèrement. Ça va être dur niveau nourriture pour survivre. Ah oui, à l'hiver. Mais en même temps, on est 20. Hein. On est 20, Dario. Je pense que si à 20 on n'y arrive pas, c'est que vraiment on est mauvais. Salut Atomium. Oui, tout se passe bien. J'ai failli être éjectée du serveur et à ne plus pouvoir venir. Mais Nimélia m'a laissé sa place. En toute gentillesse, en toute gratitude. En toute... J'ai plus de synonyme. Non mais faut pas mettre les coffres côte à côte. Si jamais il y en a un qui prend feu, ils prennent tous feu. Vous avez jamais joué à Don't Starve Together? Ah, vous avez jamais eu un perso qui met le feu à tout? J'ai rien comme viande à faire sécher. Est-ce que je peux faire ça, attends. Il me manque quoi? Des cailloux! Cailloux ronds? Cailloux ronds? Cailloux ronds? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Fanny, c'est plus dur de quoi? C'est plus dur parce qu'il y a moins de nourriture. Ah, plus on est, plus c'est dur parce qu'il y a moins de nourriture. C'est pas faux, Dark Sim. D'un autre côté, la map est quand même grande. Donc je pense qu'il y a moyen de moyenner. Il suffit de faire attention. C'est ça. J'ai jamais fait un élevage de buffalo, je sais que c'est possible. Mais combien de morts? Moi, 3. 3 morts. C'est ça, hein, il me semble. Caillou long? Caillou long? Caillou long? Oups. Bon. Comment ça, voilà, il m'en a passé. Ah oui! Oh, merci! Merci! Alors, je vais faire une petite ferme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, Thermal Stone. Ça va être pratique après, pour se réchauffer pendant l'hiver. Oh non, mais c'est pas ça que je voulais faire! Ah mais si, c'est ça que j'ai fait. D'accord. Mais je pensais qu'il y avait... Ah, ouf, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était pas la bonne. Voilà. Ça, pas pour tout de suite. Il nous faudrait des buissons. Ah mon dieu, l'OGA, tu es là! Atomium et l'OGA! Attendez, est-ce que vous pouvez me rejoindre? Attendez, comment je fais? Comme ça. Ah non, il n'y a plus de place. Bon, si jamais il y a une place qui se libère, je vous êtes les bienvenus pour jouer à Don't Starve avec moi. Ce sera un grand plaisir de vous accueillir. Quoi, cette loose? Mais oh, Atomium, je ne te permets pas, fais gaffe. Je suis sûre que tu aurais tenu moins longtemps que moi. Tu es pas bon sur ce jeu, alors je ne te permets pas de me critiquer. Je survis autant de temps que je peux. Bon alors... Que faisons-nous? Un peu à manger. Ah mince, faut que je cuisine ça. Hop. Hop. Mais il y a des gens qui se font courir et courser par des tall birds là-bas. Hop hop hop. Théodrème qui dit bonjour. Bonjour. Bonjour le GA. Bonjour Atomium. Bonjour Théodrème. C'est gentil Red Fanny, mais je bosse. Ah oui, c'est vrai, le GR, on est lundi.
J'oubliais qu'il y a des gens normaux qui ont un vrai travail. Un vrai travail. Oups. Eh bien, j'espère que ça se passe bien au travail, Logéa. Et que mon live ne te déconcentre pas trop. Alors, est-ce que je peux faire ça? Oui, c'est merveilleux. Il y a besoin des mains, yeah. Oh, mais il y a besoin de mon fantôme aussi. Il me faudrait une araignée. Quoi? Pourquoi ça fait ça? Oh non, mince. Zut. Bon, bah je vais manger comme ça alors. Ah, je me suis fait avoir. J'ai cuisiné un truc pas terrible. Ah, salut Crane. Je l'ai pas vu passer. Quelqu'un a dit salut Crane. Mon dieu, mais il y a tout le monde. L'OGA, Atomium, Crane, ça y est, c'est... Vous me mettez la pression, c'est fini. Il y a tout le monde qui vient d'un coup. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Oh, une pastèque. La pastèque. Notre dernière pastèque. Bon, je suis désolée, je voulais piquer, hein. Et j'ai aucune graine pour en replanter. Je suis navrée. Et ça rime. Voyons voir. Alors, attendez, il me fallait quoi déjà? Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Je suis perdue. Tu sais pas cuisiner, Fanny? Et non, Neo Ultimate. En ce moment, je garde des enfants le midi, ça m'arrive. Et je dois cuisiner, et c'est juste... D'ailleurs, l'OGA pourra en parler. N'est-ce pas? Ah! Mais attends, si tu poses ça, moi ça m'intéresse. Là. Vol d'œuf! Et du coup, quand je garde ces enfants, je dois leur faire à manger, c'est juste un désastre. En plus, vu que je suis végétarienne, je suis obligée de me dire: ah oui, attends, faut que je fasse de la viande avec. C'est pas évident. J'ai pas les bons réflexes. Attendez, qu'est-ce que je peux faire? Voyons voir. Il me faudrait un petit peu une armure, ce serait pas mal. Oh non, il y a des loups! Mon arme. Ah oui, il faut que j'aille tuer quelque chose pour faire apparaître mon fantôme. Est-ce que j'ai assez de vie? Attends, je vais me faire un peu de vie. Hop. Tant pis, je sacrifie un peu des glandes araignées, j'irai en retuer tout à l'heure. Là, le rendez-vous hype, c'est chez Fanny. C'est ça, au Bicao. Bon, j'ai peur maintenant. Ils sont où, ces loups? Ah ouh. C'est marrant, je fais le loup comme Hermione dans Harry Potter. Ah ouh. Bon bah ils sont pas tellement là en fait. Je me suis mise au taquet prête à les accueillir. Père, ne vois-tu rien venir? Moi je dis à quand l'émission de Red Fanny sur Gaming Live? Non, l'OGA ça n'arrivera pas. Enfin je ne crois pas. ou alors ça s'appellerait Fail Fanny. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, pourquoi pas? L'émission du fail. Ça changerait un petit peu de tous ces gens talentueux. Moi, ça m'énerve les gens qui jouent bien. Ça me rappelle à quel point je joue mal. Pas de souci pour une émission du fail. Ou Fail Fanny, ou comment rater un jeu. Ou comment mourir, c'est pas mal. Ou comment mourir dans un jeu. Bon, par contre, là, on est un peu aspergé par le « Did you hear that? Did you hear that? » Je les entends, hein, vous les entendez? Je ne sais pas où ils sont. Une main. Où est-elle? Là. Oh, attendez, ma fleur. Oui, j'ai réussi. J'ai fait réapparaître mon fantôme. Yes. Ma fantôme, aide-nous. Non mais fantôme, tu sers à rien. Et il a rien tué, hein, mon fantôme. Ah bah voilà. Mets-toi un peu en colère. Fais quelque chose. Ah là 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 là. Ok, bon. Oups. Ok, bon, j'ai mon fantôme, c'est bon, je suis forte. Par contre, je n'ai plus de santé mentale. Ah oui, je voulais faire une tente. C'est ça que je voulais faire. Je l'ai complètement oublié. En mode Malcolm. Pourquoi Malcolm il fail, je me souviens même plus. Attends. Qu'est-ce qu'il me manque? Oh non, il me manque encore des branches et des... Et des cordes. Bon, allez, on va se mettre en quête de branches, en quête de cordes. Et je vais essayer de ramasser des petites fleurs sur le chemin pour pouvoir remonter ma santé mentale. Parce que là, ça va pas du tout. Où est-ce qu'il y a des cordes?
Red Fanny sur la powerplay. Non, non, par contre, powerplay, jamais, Rixor. Ça, c'est complètement impossible. Ouais, je dis, si jamais il y a une émission Red Fanny, ce sera l'émission du fail ou comment mourir dans un jeu où on ne peut pas mourir. Ce serait pas mal, ça. Parce que je suis très forte aussi pour créer des bugs dans les jeux, des bugs qui n'ont jamais été vus par aucun joueur. Et bah, c'est moi qui les trouve. Tu ouvres la boîte de Pandore si tu fais ça, Atomium. Attends, mais j'ai pas vu ce qu'il a dit. Attendez. À chaque mort, un spoil. Mais ce serait terrible. Ne dis pas des choses pareilles. Je ne vais quand même pas me remettre à spoiler. Et du coup, est-ce que vous avez vu... Moon? Est-ce que vous avez vu le dernier Star Wars? Parce qu'en fait, à la fin, on découvre que... Et attends, qu'est-ce qu'il y a comme film ultra spoilable? Et en fait, dans le sixième sens... Et en fait, dans... Mon dieu. Il n'y a pas assez de films ou de séries ou de jeux pour ça. Si, si, Skyfire, ne t'inquiète pas, je suis très forte pour spoiler. Mais promis, je vais essayer de ne pas le faire. Quand je me rends compte que j'ai spoilé, en plus j'ai culpabilité x 2000. C'est assez horrible. Cantinox lui dit, tu sais qu'un des streamers le plus regardé karaté joue très très mal, beaucoup plus que toi. Je suis sûre que tu serais top sur Gaming Live. Oh, tu es gentil. Mais ça m'étonnerait que karaté soit aussi mauvais que moi. Ça m'étonnerait qu'il soit pire. Déjà. De base. C'est impossible d'être pire que moi. Non, non, Fanny, dans Malcolm, il y a une scène dans Révolution qui vend du rêve. Ah mais oui, Atomium, je la connais, cette scène. Où ils sont en espèce de pyjama de paillettes. Elle est fantastique, cette scène. Bon, attendez, j'avais dit que je récupérais du bois et des cordes. Je sais même plus ce que je fais, moi. Je parle. Ah, là, du bois. Allez me chercher Olivier Dubois, s'il vous plaît. Est-ce que... Non, puis-je vous emprunter du bois un moment? Vous savez que cette scène, dans... je crois que c'est le premier Harry Potter, pendant des années, j'étais persuadée qu'elle disait « Puis-je vous emprunter du bois ?» Mais du bois. Genre du bois. Et du coup... Ah, adieu. Ah, parce qu'il y a des gens qui sont morts. D'accord. Et du coup, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est bizarre, elle repart avec quelqu'un. Oh, j'ai trouvé le vieux cochon! J'ai trouvé le roi cochon! Hé, regardez, attendez, je vous montre sur la map. Pour ceux qui jouent avec moi, le roi cochon, il est dans la forêt d'arbres de boules de gomme. Et ce cochon, il est très bien parce que si je lui donne... Attends, je ne sais plus ce que je peux lui donner en offrande. Est-ce que je peux lui donner ça? Normalement, il me donne de l'or. Ah non, il en veut pas... Et si je te donne ça? Non plus? Et si je te donne ça? Mais qu'est-ce qu'il mange, le roi cochon? Ah, des cailloux, peut-être. Des cailloux? Bah... Du bois? Non? Bah mince, alors. Je sais plus ce que je peux lui donner. Des branches. De l'or? Bon, d'accord. Du caca? Non. Mon œuf? Non. Une colle d'araignée? Bon. Ok. Ok. Tu ne veux rien. Mais je n'ai rien d'autre à t'offrir. Ma pastèque, j'ai déjà essayé. Bon, d'accord. Ok, bah normalement, le roi cochon, je peux lui donner plein de choses et en échange, il me donne de l'or et ça, c'est vachement cool. Oh, mais il y a une base ici aussi. Oh, mais il y a une base super cool. C'est qui est posé comme ça? Oh là là! Oh là là! Oh là là, mais c'est qui est posé comme ça, avec le sol et tout en bois, qui s'est fait une cage à oiseaux et tout? Attends, je vais pas me permettre de récupérer ton oiseau, je te le mets là. Hein. Waouh, je suis impressionnée, c'est qui joue ultra bien comme ça? Je suis curieuse de savoir. Franchement, je suis sur le cul. Félicitations. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, attends, je te laisse ça là. Hein. Je ne te pique rien, je ne te pique rien. Il aime les babioles quand tu trouves dans les tombes. Ah oui, oui, c'est vrai, et Pops, c'est vrai que... Mais creuser les tombes, ça baisse la santé mentale, donc c'est pas forcément une bonne chose. Ah, mais je sais pourquoi j'ai ma santé mentale qui baisse, je n'ai pas fait de couronne de fleurs. Je vais essayer d'aller ramasser des fleurs. La 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 la. Je vais ramasser des fleurs dans la forêt. La 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 la. Pour faire la machine pour changer le monde. Ah, d'accord.
Vous parlez de, du coup, le scénario de Don't Starve, de comment, comment finir, en fait, Don't Starve. Mon fantôme qui tourne en rond. Ouh là là, ça y est, ma santé mentale, elle est pas terrible. Bon, d'un autre côté, si je meurs là, je crois que je saurais retrouver. Vite, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Il me faut des fleurs. Pourquoi il n'y a pas de fleurs ici? J'ai besoin de fleurs. Fleurs, 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 fleurs. Fleurs, 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 fleurs. Fleurs, fleurs, fleurs. Fleurs, fleurs. Mince. Comme dans le livre, Harry s'est demandé pourquoi elle voulait du bois. C'est vrai, ça y a Callow, je me souvenais même pas que dans le livre, elle demandait vraiment ça. Ah bah ça va, je me sens moins bête du coup. Ça c'est cool. Le chat qui... Alors ça, ces animaux, ils sont trop cool. C'est des moitié ratons, moitié chat. Les catcoons. C'est le retour du coon. Et ils sont vachement bien, j'adore leur design. Attendez, je vais chercher les fleurs là-dessus. Et du coup, ils régurgitent des boules de poils. C'est très drôle. Des boules de poils bien dégueu, bien humides. Des baies. Ah oui! Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé... Mais non, les baies. Qu'est-ce que tu me dis, pèse-dieu, les baies, c'est pour pas mourir de faim. Moi, j'ai... Le problème, c'est surtout ma santé mentale. Et là, je vois de fleurs nulle part. En fait, c'est pas le bon biome. Hein. Je vais essayer de quitter le biome. Vite, 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 vite. Ou alors, j'aurais pu faire une tente. Mais pour faire la tente, il me manque... Il me manque de la ficelle. De la corde. Et pour faire de la corde, il me faut de la paille. Et pour faire de la paille, il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille loin. Et il faut que je vive. Atomium, est-ce que tu streams ce soir? Ah, je sais pas s'il stream, mais vu qu'il est sur le live, il pourra répondre. Ah bon? Héhé. D'accord. Il a répondu ah bon? Héhé. Je ne sais pas si c'est une réponse à est-ce qu'il live ce soir. Moi, je ne comprends pas le langage ah bon? Héhé. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Ah mais ils se font attaquer par les bestioles. Ah mais attendez, si j'en tue une, normalement, je vais beaucoup mieux après. Est-ce que je vais essayer d'en tuer une? Attends. Ah mais c'est pas moi qui l'ai tué. Zut. Bon. Là, la mission, c'est aller chercher des fleurs. Il me faut des fleurs. Fleurs, 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 fleurs. Oh, un lapin. Rabbit. Attends, je vais peut-être pas lui piquer. Bon, en même temps, s'il arrive trop tard, il sera peut-être périmé. Et je lui remets son petit piège. Hop. Alors... des fleurs, des fleurs. Allez, vite, 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 il me faut des fleurs. Ou alors je fais ma paille. Attendez. Là, j'ai plein de paille. On va faire ça, c'est peut-être moins risqué. Ça sent les lasagnes canapé logéa. C'est exactement ça. Lasagne canapé, le duo gagnant. C'est exactement ça. J'ai utilisé ma carte face cachée sur le terrain, c'est pour ça. Mon dieu, Oprime est là! Oprime, hi there! Hi! Mais tout le monde est là! Mais je crois que Crane est parti. Il y a encore Logéa, Atomium, Oprime, et puis vous tous. C'est vrai que je fais des privilégiés, c'est injuste. Mais tout le monde est là, ça me fait très plaisir. Par contre, j'étais censée faire une pause. À la limite, je fais une toute petite pause histoire de couper, et je reprends genre tout de suite, parce que sinon ma place va partir. Ouais, c'est vrai, on est au milieu de la journée, tout va bien encore. Je fais une toute petite pause. Et en plus, là, je suis en train de... Ouh là là, ma santé mentale, elle va pas terrible. Je fais juste un petit comme ça. Voilà. Ma santé mentale, elle va pas terrible. Il faut que je trouve des fleurs absolument pour ne pas mourir d'une attaque de monstres fantômes. Voilà. Du coup, je vous dis à tout de suite.